I count 6 shots. Bustin' out the bando. A nigga jury real metal like a panel. I went from rag to riches to a future with tilt. Yo tout le monde, c'est Mister Spécie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Custom Map Zombie de Call of Duty Black Ops 3. J'ai déjà sorti une vidéo à propos de ce mode choose, je vous invite à aller la voir, la vidéo s'affiche juste ici. Voilà, maintenant on va commencer avec le vrai sujet de cette vidéo, c'est-à-dire le Custom Map Zombie. Si vous vous y connaissez un peu sur le zombie, vous devez savoir qu'il existe un mode tools sur Call of Duty World at War qui vous permettait de créer vos propres maps modées et customisées. Il faut savoir aussi que jusqu'à aujourd'hui, il existe encore des personnes qui créent des maps et surtout une énorme communauté qui y joue. Et c'est ce qui fait vivre World at War depuis 8 ans déjà. Donc les enjeux de ce mode tool sur Call of Duty Black Ops 3 sont vraiment énormes et vont faire de ce jeu un jeu qui va durer au fil des années. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Call of Duty Black Ops 3 pourra proposer plus de liberté aux créateurs, ce qui fera en sorte de créer des maps légendaires. Si vous souhaitez savoir ce que rend une custom map zombie sur World at War, je vous invite à aller voir la chaîne de TheCarry78 qui présente pas mal de custom map zombie. Comme autre information, on pourra jouer à ces maps modées que sur PC malheureusement, ce qui est un peu dommage mais ce qui est quand même justifié. Après, on sait jamais si Triarch donne l'occasion de jouer aux meilleures custom maps créées par la communauté. Ça serait vraiment sympa s'il mettait des mini DLC chaque mois de custom map zombie sur les deux consoles next-gen PS4 et Xbox One. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager. Sur ce, c'était Mister Spécie et je vous dis peace tout le monde.